Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Donc là, il est déjà 9h10. Je viens de déposer, enfin, tout à l'heure pour 9h, j'ai déposé Denise. Ensuite, c'est un collègue qui me le ramène. Moi, pendant ce temps-là, je fais mon client pour sa séance de kiné. Ensuite, j'ai ma cliente de l'après-midi pour le bloody. Exceptionnellement, on passe en fin de matinée. Et elle ressortira en milieu d'après-midi. C'est sa dernière séance aujourd'hui. Donc il y a tout un check-up. Voilà, voir si ça se passe bien, si ça a été, voilà. Donc voilà. Ensuite, pour l'après-midi, donc j'ai Clara. Je n'ai pas Contentin, il n'est pas là pendant 15 jours. Je n'ai pas Jessie, mais il sera là à sa séance. C'est sa maman qui l'emmène. Parce qu'ils n'habitent pas à côté. Donc ça, ensuite Mathis, comme d'habitude, on me le fait. Et ensuite, j'ai l'allée de mon nouveau gamin Hugo. Après, je ramène tout le monde, les gamins, à 16h. Enfin, à partir de 16h. Ensuite, je ramène Hugo. Et je pense que j'oublie personne. Et ce soir, il faut que je récupère mes filles. Que madame a un rendez-vous perso. Elle s'est cassée de pony. Enfin, cassée de pony. Elle a fait une tendinite et puis. Ah, pas revenir, enfin bref. Donc voilà, donc semaine dans l'ensemble extrêmement calme. Donc demain je vais avoir que le retour de Mathis et Zoé. Demain matin je dépanne pour un petit extérieur. Ensuite mercredi matin je n'ai que à Salah. Mercredi après-midi que mon client, voire peut-être Salomé. Jeudi, roulement de tambour. J'ai dit normalement je dois aller à Paris. Ça m'enchante pas spécialement, je vous l'avouerai. Mais vu que ça va être très calme, ça va compenser. Je suis pas très emballé, mais bon. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Donc ça, et vendredi, j'ai envie de vous dire que j'ai rien. J'aurai que le retour de Mathis. Donc si vraiment j'ai que ça. Si je sors que pour Mathis, pour que je ferai autre chose, je ferai un magasin ou autre, mais voilà, je ne sortirai pas pour rien non plus. Comme je vous ai déjà expliqué, hein, j'habite à l'extérieur, donc voilà. Faire des kilomètres pour un forfait ville, c'est toujours ça de gagner. Je l'admets, mais voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça, Paris jeudi, bon, comme je vous dis, ça va compenser la semaine. Et j'ai eu la demande là, c'est un nouveau client. Il faudra l'emmener une fois par mois. Bien entendu, je ne l'emmènerai pas tous les mois, ça c'est clair. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon allez, je viens de déposer mon client à sa séance d'orthophonie. Donc là, je l'attends. Ensuite, je le ramène. Et après, on passera à 12h30 pour ma cliente pour le bloody. Et après l'enchaînement des gamins cet après-midi. Et puis là je viens d'essayer d'appeler le client pour jeudi. Mais ça répond pas. J'avoue que si jamais ça répond pas, ce n'est pas bien grave. Mais alors pas du tout. Allez, en attente. Bon voilà, la matinée c'est fait. J'ai ramené mon client, à midi et demi, j'ai emmené ma cliente pour le bloody, j'ai fait mes adieux en même temps, parce que c'était sa dernière séance, et c'est un collègue qui me la ramène. Et donc là, il est 1h10, dans 10 minutes, j'attends, je prends Clara, donc je ne suis pas rentré chez moi, même si elle habite pas très loin de chez moi.
J'allais pas rentrer chez moi, arrêter 2 minutes, repartir. Donc je suis resté dans les parages, près de chez elle. Donc ça, ensuite on la dépose, ensuite on fait Léa, on la dépose. Donc je n'ai pas Constantin, il est en vacances. Jessie, c'est sa maman. Je vais rencontrer sa maman d'ailleurs, qu'on ne s'est jamais vu. Ça, ensuite je ramène mon client du kiné et après je fais l'allée de Hugo. Après je ramène tous les gamins à partir de 16h et ensuite je ramène Hugo à 16h45 et terminé pour la journée. Et ensuite on ira récupérer mes filles. Ça, et du coup pour Paris jeudi annulé. Yes! parce que le client il m'a clairement fait comprendre qu'il ne souhaitait pas d'avoir un chauffeur différent à chaque transport. Bon, il va tous les mois. Mais bon, moi voilà, comme vous savez, moi les longues distances, je m'en fiche. Je ne suis pas jaloux des longues distances. On m'a fait la remarque là. Un peu limite. Donc ça, du coup, comme je ne me sens pas capable d'aller tous les mois à Paris, c'est pas mon truc. Donc du coup, je vais redonner mon Paris à quelqu'un d'autre. Voilà, ça fera plaisir à une personne qui me dépanne beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, et puis c'est tout. Allez, on continue. Bon, allez, j'ai ramené mon client. Mais ça, c'est en déquiné. Là, maintenant, j'attends Hugo. Il est quelle heure? Il est 15h20, je crois. Ouais, 15h20. J'ai demandé qu'il soit en bas à 15h35-40. Pour l'emmener à son rendez-vous, ensuite, j'ai laissé dehors les gamins. Et en attendant, une petite faim. C'est bon, les crabes. Bon, allez. Petit repos goûter. Et après, on continue. C'est quoi ces nouvelles plaques là? Côté école avec une plaque d'immatriculation bien bizarre. Pas souvenir que les auto-écoles avaient une plaque bien spécifique quand même. C'est louche! C'est très très louche! Oh que oui! Bon voilà, j'ai ramené tous les gamins. Maintenant j'attends Hugo. 16h45. Là il est 16h41. Je l'attends et ensuite je le ramène et terminé pour aujourd'hui. Allez, on continue. Bon. Alors, première fois que j'emmène mon petit. Enfin, mon petit. Il est plus grand que moi, le gamin. Donc, première fois que j'emmène Hugo à sa séance. De 16h à 16h45. Et son éducateur m'a mis 15 minutes de retard. J'ai dit à l'éducateur, 2-3 minutes, je veux bien. 15 minutes, il dit non, ça c'est. Non, ça c'est, je lui dis, c'est pas possible. Ah, mais ouais, mais ça, parce que je l'ai pris avec du retard, donc du coup, je dis, ouais, mais ça, non, c'est pas possible. C'est moi, j'ai d'autres clients derrière. Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Hein. Sauf qu'il n'arrive jamais dû me dire. Ah, bah, j'ai dit, si, c'est votre problème. Si la prochaine fois que vous mettez minimum 5 minutes de retard, je rentre pas, il se débrouille avec le gamin. Je le ramènerai. Mais c'est juste pour lui faire comprendre. Je crois qu'on va pas être copains. Le premier contact, c'est pas bien fait. Ça a fait des étincelles. Alors, je suis peut-être un peu trop exigeant. Ce n'est pas une question d'exigence, c'est que ils sont les premiers à nous engueuler parce que, voilà, ça nous arrive. Parce qu'on n'a rien déposé l'enfant avec quelques minutes de retard, ils vont se permettre de nous engueuler. Mais par contre, eux, ils vont se permettre de prendre du retard et que nous on se bah pas avec moi. C'est non, moi je suis très gentil, c'est très cool, je fais tout ce que je voulais, mais non, ça non, ça passe pas. Donc voilà, le premier contact ne l'a pas fait. Donc le gamin il a bien compris hein. Je lui ai expliqué le système, il a bien compris que c'était pas normal qu'il soit en retard, qu'il lui soit en retard de son côté, qu'il me prenne le gamin avec du retard, voilà, c'est comme ça. Mais moi il me le rend à l'heure. En bas 2-3 minutes, pas de problème, mais pas plus. Donc, le gamin, normalement, il me dit oh, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, je mettrai une alarme à mon téléphone. Dès que ça sonnera, je partirai. C'est bien, je t'aime bien. Moi, je t'aime bien. Bon, voilà, allez, c'est pas grave. On va donc chercher mes filles.
Enfin, je vais chercher mes filles, hein, parce que vous n'allez pas m'accompagner. Et ensuite, terminé pour aujourd'hui. Et demain, demain tranquille. Demain matin, une cliente pour le CMP. Je l'attends, je la ramène chez elle. Ensuite, à 1h30, Zoé. Ah non, je dépanne aussi un autre client pour le kiné aussi. On m'a demandé tout à l'heure. Et puis donc après 1h30 Zoé et ensuite le retour de Mathis. Et puis voilà, ça sera une petite. Je vous dis de toute façon, la semaine, ça sera une petite semaine bien tranquille. C'est comme ça. Allez, repos. Petite vidéo. Petite vidéo. Ah, je sais combien ça coûte la maison. 90 euros. C'est pas ça du tout. 190 euros. C'était pour dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Bah si, tu racontes un petit peu n'importe quoi. 853 000, ça c'est n'importe quoi. 80 100 000, 90 000, n'importe quoi. Bon là, les parents ils font des vélos, le gamin il traverse la rue, il y a des voitures qui passent au même moment. Un peu dangereux là, hein. Bah elle peut coûter plus cher, elle peut coûter moins cher, bah dépend des maisons. S'il y a des maisons plus petites, plus grandes et encore plus immenses. Ouais, des belles maisons, des moches maisons. Des très très belles, des hyper moches. Voilà. Bon, on arrive juste à temps parce que quand on voit les nuages gris qui arrivent là, il pleut. Oui, ça va bien pleuvoir. C'est bien, ça va remplir le bassin. Il va pleuvoir la clo. Ouais. Il va pleuvoir la clo. Allez. Hop. Mais j'ai détaché le bon bouchon, papa. C'est bien, mon cœur. Repos. Repos. On dit mon tête, hein. Repos! Allez, 1, 2, 3, repos! Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, il y a le train qui passe. Donc là, il est 8h20. Tranquille. On va aller chercher la cliente à 9h. Elle a rendez-vous à 9h30. Donc après, je l'attends, je la ramène. Ensuite, je dépanne encore à 11h15 un client pour sa séance d'orthophoniste. Ensuite, on va manger. Après, à 1h30, Zoé. Et après, il y aura le retour de Zoé à 14h, combien? 30. Ensuite, je ramène Mathis parce qu'on me fait l'aller, que je ne peux pas le faire. Ensuite, je ramène Mathis à 15h30. Et journée terminée. On va être fatigué. Bah, c'est les vacances. Hein. Bah, c'est prévu comme ça. Allez, t'es reparti pour une nouvelle journée.
j'emmenais la cliente. Je devais la prendre à 9h pour son rendez-vous à 9h30. Quand je suis arrivé chez la cliente, elle dit non, j'ai rendez-vous à 10h. Donc voilà. Bon, en soi, ça ne me dérange pas. Trompe d'horaire, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'après, j'étais dépanné quelqu'un après. Du coup, bah, il a fallu que je recherche quelqu'un pour dépanner les dépannages que j'ai. Voilà. Vous avez compris? Bon, voilà, bon, c'est géré, c'est principal. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas grave. Bon, allez, en attendant, je prépare tout mon planning pour tout le mois d'avril. Et ensuite, commencer à chercher parce que j'ai ma petite Zoé qui va falloir que je l'emmène en consultation anesthésiste et ensuite une hospice. Donc, il va falloir que je commence à gérer un peu ça. Allez, en attente. Voilà la cliente, je l'ai ramenée. Et puis là, mon collègue m'a. Comme mon collègue qui faisait mon dépannage en fait. Il m'avait dit surtout si tu peux me le faire, tu le fais parce que sinon il va être dans la merde. Donc là, comme elle a gagné, du coup, comme elle a quand même fait gagner 30 minutes, je me redépêche de retourner sur Bourges pour aider mon collègue qui m'a aidé. Quand même, un peu normal. Donc on se dépêche et là, je vais essayer de vous reprendre une vidéo. Il y a une biche qui est malheureusement morte sur le bas-côté. Je vais essayer de vous filmer ça. Désolé pour ceux qui font de la protection de la nature. Je vous le dis. Allez, on continue. Allez là. Non, personne derrière. Voilà. D'autres petites bêtes. À mon avis, elle est super fauchée et puis abandonnée là. Allez, on continue. Là, nous arrivons à Mentus Salon. Ce qu'il y a à gauche, c'est le château. Je vais vous faire voir. Je fais comme ça. Voilà. Le château de Mentus Salon qui est habité par le prince d'Arenberg. Voilà. Bon, il n'est pas tout le temps là. Bon, je sais, c'est pas bien, j'ai le téléphone en main, je le sais. Et voilà. Je regarde là-haut, je tire sur le côté. Donc là, c'est tous les bâtiments. On va dire technique machin et son château bah, il est derrière et voilà, donc il est bien habité par le prince d'Arenberg. Par contre, je serais incapable de vous redire de quelle origine il est. Je préfère rien dire parce que je sais plus, je regarderai. Et avec mon ancien travail, avant j'étais maître et j'ai pu participer à quelques rénovations des pièces. Donc, voilà. Voilà, voilà, on continue. Voilà, le client pour le kiné, l'orthophysique, pardon, c'est fait. Donc là, il est 11h23. On va rentrer à la maison, on va manger. Et après, on partira vers 1h15. Pour Zoé, ensuite la ramener, et ensuite ramener Mathis, ramener. Allez, à table. Bon, allez, on continue. Hein. Moi, je viens déjà de déposer Zoé. Donc là, j'attends. Il y en a pour un bon trois quarts d'heure. Je la ramène et après, je m'occupe du retour de Mathis. C'est terminé. Allez, on va regarder des vidéos sur YouTube. Bon, allez, j'ai ramené tout le monde. Il est 16h. Journée terminée. On va aller boire un bon petit café, manger des petits gâteaux. Et on verra demain. Allez, repos! Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Là, il est tôt, là. Il est 10h. J'avais rien avant, j'allais pas sortir avant. Bon, allez, on va aller chercher la salle à 10h20. Pour la déposer à sa séance. Pendant sa séance avec un collègue, on va essayer de récupérer nos passes pour le printemps de Bourges. On va faire ça avec un collègue. Ensuite, je ramène à Salah à 11h20. Ensuite,
pas lui. Ensuite, je reviens à la maison. J'ai demandé à la maman de Elliot s'il avait science, elle me répond pas. Moi je considère qu'il n'y en a pas. Je fais l'effort de le demander, mais si on ne me répond pas, moi je me prends pas la tête. Donc cet après-midi, je fais mon client pour sa séance de kiné. Et puis pareil, j'ai demandé pour Salomé, mais on ne me répond pas. Donc, j'ai 22-23 gamins, je peux pas appeler tout le monde. C'est aux familles de me prévenir s'il y a séance ou pas pendant les vacances. Mais bon, c'est comme ça. Allez, puis aujourd'hui, il y a du brouillard. Pas terrible. Donc ça va, ça me dérange pas trop. Allez, t'es reparti pour une nouvelle journée. Bon, voilà. Avec mon collègue, on a été récupérer nos passes. Bon, ça je vois pas trop bien, mais voilà. À coller ça sur le pare-brise, donc je vais coller ça la semaine prochaine parce que quand on l'enlève ça part en miettes, donc après on en met partout dans la voiture. Donc voilà, donc là il est 11h25, je vais aller récupérer à ça là, normalement ça va faire, on dirait presque 5 minutes qu'elle a dû finir, il y a un petit peu de temps là avec mon collègue. On va aller la récupérer, la ramener et ensuite vous allez voir vite fait un magasin de pour les poissons. J'achète des médicaments pour mes poissons. Il y en a, ils ont des petits points blancs, c'est pas bon. C'est très mauvais signe. Donc avant que ça soit trop important, on va aller traiter ça. Allez, on continue. Bon voilà, achat de produits pour les poissons. Enfin les produits, médicaments. Ouais, médicaments, produits. Pour les poissons, c'est acheté. On va pouvoir les traiter. Je voulais en racheter d'autres, mais comme j'ai vu les autres poissons qui avaient des petites taches là, on n'achète rien tant que c'est pas soigné. Mais comme j'en ai perdu pas mal entre temps, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et je me suis aperçu que j'ai deux trois néons là qui ont des taches bien blanches sur les côtés là, sur les flancs. C'est pas bon. Et c'est pas bien. Alors on va éviter de les mettre dans la cuvette des chiottes. On va essayer de les soigner avant quand même, aux petites bêtes. On va essayer de les traiter et puis si ça passe, ça passe, si ça passe pas, voilà. Bon allez, on va aller manger et ensuite on verra cet après-midi avec mon client pour le kiné. Et j'ai toujours pas de nouvelles pour sa nommer, donc voilà. Elliot c'est pareil, pas de nouvelles, donc voilà. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Après une bonne purée et des steaks. Bon allez, on va aller chercher mon client. Bon pour Elliot, ils m'ont pas appelé, donc c'est qu'il n'y avait pas séance. Mais bon, la moindre des choses, c'est me répondre. Voilà. Donc là, on va prendre mon client. Et puis après, je vais voir pour Salomé. On va voir ça. Allez, c'est reparti. Bon là je viens de faire une vidéo tip top. On vient de poser une question sur Messenger, comment on éteignait le taximètre en fin de journée et comment on imprimait une facture pour un tarif minimum. Question posée, vidéo envoyée aussitôt. Hop, t'as vu ça? Bon bah elle est pour toi hein. La personne va se reconnaître. Allez, je continue d'attendre. Bon allez, je retourne chercher Salomé parce que je l'ai bien emmené tout à l'heure. Elle était bien là. Heureusement que je suis passé voir quand même. Question de professionnalisme. Donc là je retourne la chercher, je la ramène. Et terminé pour aujourd'hui. Donc là il est 15h, je serai dans 5, entre 5 et 10 minutes. Je vais prendre du retard, mais bon. En général, elle prend du retard aussi. Donc voilà. J'en profite là que la route soit plus calme. Concernant les commentaires sur les blogs, je viens de voir que Taxi Pieni ça marquait un petit mot. bah merci pour ton mot. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un gros pavé de questions concernant les diplômes. Enfin, pour
pour pouvoir passer les examens. Si jamais la personne regarde le blog, je lui répondrai dans la suite de la vidéo là, ou soit la semaine prochaine dans le prochain blog. J'ai vu qu'il y avait un gros pavé, donc tout ça tranquillement, tête posée. Donc voilà. Bon, allez, on continue. Bon, voilà, Salomé était ramené. Maintenant, on va aller poster deux courriers à la poste. Mes fameux courriers pour harmonie mutuelle. Je sais pas si vous vous rappelez là. Pour qu'on fasse encore. C'est dingue. Harmonie mutuelle, vous avez un RIB pour vos prélèvements. Hein, si vous prenez la mutuelle pour vous personnellement avec la loi Madelin, toutes ces choses-là. Je rentre pas dans les détails puisque pour moi c'est compliqué. Ce qui est mutuel, tout ça, c'est un peu la galère. Et par contre, pour les remboursements perso, ça se passe bien. Et par contre, quand vous, pour les remboursements de vos clients, bah, c'est un peu compliqué. Alors, comme entre temps j'ai changé de banque, alors là, ils ont du mal à comprendre que j'ai changé de banque. Ils n'arrivent pas à rentrer ça dans la tête. C'est dingue ça. Dingue. Alors on leur fait un courrier et hop, je vais écouter tout de suite. Alors en plus, comme il y a Harmonie à Bourges pour mes clients sur Bourges et Harmonie à Tours pour mes fameux gamins où leurs parents sont RSI, c'est pas la même caisse. Il n'y a pas une caisse payée, même service de comptabilité pour tout. Non. Vive la France, hein, avec les papiers là, c'est impressionnant. L'informatique devait faire des économies de papier, mais je crois que c'est tout le contraire. Bref, ça nous occupe. Allez, on verra demain maintenant. Demain matin, j'ai rendez-vous avec la comptable pour mon bilan. Ensuite, j'emmène ma cliente pour ses courses. Et demain après-midi, j'ai que Youssef, Selman pas là, Lucas pas là. Je sais plus qui j'ai encore après, je sais plus. Je crois que c'est tout. Et exceptionnellement, j'ai mon client du kiné là. Il a un rendez-vous demain après-midi chez le kiné. Mais par contre, il n'ira pas vendredi. Vendredi, repos. Pas de boulot du tout. On verra ce qu'on fera. Je pense que je vais rester à la maison. Donc voilà. Bon allez, 15h25, journée terminée. C'est les vacances. Hein. Quand on a beaucoup de... C'est ça l'inconvénient, que quand on a beaucoup de séries de gamins, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de travail après. Alors, comme j'ai pas beaucoup d'adultes, c'est comme ça, c'est le hasard. Bonjour. Allez, repos. Allez, t'es reparti. Bonjour à tous. Mais là, on est au milieu de la vidéo, là. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Très bien. Il est quelle heure? Je sais pas. Tu sais pas? Non. T'en as plus un? 31h. 31h. Faut pas dire de bêtises non plus. N'importe quoi, c'est le truc. Il est 8h35. Et qu'est-ce qu'on va faire? Papa, il nous emmène à l'accueil. T'as dit papa ou papy? Papa, j'ai dit. Ah oui, j'avais compris papy, c'est pour ça. Et papa, il vient nous chercher ce soir. Et oui, il faut que je revienne vous rechercher tout à l'heure. Donc là, je vous dépose. Après, papa, il va aller voir la comptable pour les bilans. Après, papa, il emmène Françoise à ses courses. Vous vous en rappelez? Oui. Ouais. Après, papa, il rentre manger à la maison. Ouais. Voilà. Après, papa, il repart. Okay. Il emmène son client à sa station de kiné. Okay. Je le ramène. Okay. Et après, à 15h30, je ramène
Youssef, okay. Petit garçon. Et après, je vais aller chercher mes filles. Et après, on dira repos. On dira quoi? Repos. Et après, ce soir, on dira repos. Oui. Allez, ciao. Ciao, on est arrivé à ma vague. Allez. Vous n'avez pas des affaires en fait? Vous n'avez pas de... Non, vous n'avez pas de sac à prendre. Bah non, c'est qu'on a que un sac de goûter. Et c'est maman qui l'a déjà emmené le goûter? Ben non, il est là, c'est à l'accueil. Ah, c'est l'accueil qui le donne? D'accord. Allez, on continue. Ah, plus! Ah, plus, t'es ce soir! Bon, voilà, la comptable, c'est fait. Après, bon, pour vous résumer, j'ai fait un meilleur chiffre d'affaires que l'année dernière. Mais avec l'histoire de... d'avoir changé ma voiture et d'avoir revendu l'autre alors qu'elle n'avait pas été finie de payer, mais dans les règles de l'art bien entendu, du coup ça a baissé mon chiffre, mon résultat, mais c'est très bien comme ça, soyez pas trop fiers du RSAF. Donc c'est parfait, c'est très très bien, on continue comme ça. Allez, il est 9h36, je vais voir peut-être pour boire un petit café vite fait. Bah lui il est passé au rouge avant d'aller faire ma cliente pour ses courses. Oui, ma cliente s'appelle Françoise. Donc voilà, on fait ses courses et après je la ramène et après on mange. Allez, je vais voir pour le café. Bon voilà, je viens de déposer ma cliente à ses courses. Je vais aller en profiter pour mettre du gasoil. J'arrive dans le rouge. J'aurais fait 540 km. C'est rare. Et puis... s'il y a parti, il y a personne, je vais mettre un coup de Karcher pour laver un peu la voiture. Puis après, bah, je retourne chercher ma cliente. On m'a dit qu'elle en avait pour 20 minutes. Comme je suis juste là à côté. En attendant, on va faire ça. Et ensuite, il faut que je l'emmène voir un libraire pour s'acheter un livre. Et ensuite, je la ramène. Allez, gasoil! Voilà, le gasoil c'est fait. J'en ai eu pour 64 €. Il était à 1,497 €. Qu'est-ce qu'il fait le papy? Je mets sur la voie droite pour tourner à gauche. Même le motard il faisait des signes incroyables. Un papy qui se met sur la voie droite pour tourner à gauche. Alors qu'il y a deux fils. Bref. Donc le prix du litre c'était 1,497 €, mais je peux pas comparer avec mes pleins habituels parce que j'ai mis du Excellium, donc il faut comparer ce qui est comparable. Lui c'est pas mieux, il me coupe la route pour aller tourner à gauche là. Oh bien un gars. La gueule de la ville là. Ça fait deux choses là en peu de temps là. Ça m'inquiète, qu'est-ce qui va se passer pour le troisième? C'est pareil, boîte droite pour tourner à gauche. Vous avez vu ça? En 2 minutes de séquence là, 3 trucs incroyables. Donc on a eu les 3. Donc du coup, ouais, je peux pas comparer avec mes autres pleins. Donc comme j'ai mis du Excellium. Donc voilà, et j'ai mis un coup de Karcher. Elle est toute belle ma voiture. Allez, on va aller récupérer ma cliente, voir si elle est prête. À mon avis, dans un bon 5 minutes, elle sera prête. Allez, on continue. Bon, voilà. J'ai ramené ma cliente. Les courses, c'est fait. Donc là, il est 11h. On va rentrer tranquillement à la maison. On va se poser, on va manger. Ensuite, à 14h, je récupère... Enfin, je vais chercher mon client pour sa séance de kiné. Je le ramène ensuite 15h30 et après terminé. Allez à table. Allez, c'est reparti mon kiki. Bon allez, il est 14h07. On va aller chercher mon client. Je vais le déposer à la station de kiné.
Ensuite, je le ramène. Et ensuite, Youssef. Allez, c'est reparti. Allez, 15h15. Je viens de ramener mon client. Maintenant, ou soit à 15h30 au TMP Carolus pour amener Youssef. Et après, ben voilà. Et après, on ira chercher mes filles. Je pense que la vidéo de la semaine va se terminer là tout à l'heure. Comme demain, je ne travaille pas, je n'ai rien. Je vais peut-être pas vous filmer de ce que je vais faire demain. Je fais rien d'extraordinaire, attention. Je vais essayer de tondre quand même. Faire quelques paperasses, tondre ma pelouse. Regarder un peu pour mon bassin. Ouais, au pire, je pourrais vous montrer quelques images. Donc, mais je vais voir. Voilà, ouais, je s'arrête, taxi, taxi. Mais bon, voilà. On va réfléchir. Allez, on va aller chercher Youssef. Bon, là à droite, c'est le W. Mais j'ai fumé trop tard. Il y avait une voiture qui me faisait chier devant. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, là on est à rampe Marceau. La rampe Marceau sera divisée en deux. Là vous voyez qu'il y a des balises à gauche. En fait, la rue, là, les deux voies sont divisées en deux. Donc on pourra monter que sur une seule voie. Et la voie de droite, là où je suis actuellement, sera que pour les piétons. Donc il y aura une barrière et il y aura que des stands, de vente. Là après en haut, place Sirocourt, pareil, ça sera le parking, il est fermé, il y a plein de stands. Bon, je peux pas prendre le téléphone en main parce qu'il y a un peu de monde, faire attention quand même. Donc là il y a plein de barnums, plein de stands et tout ça. Donc il y aura des points de vente, boissons, habits, tout ça. Ensuite un podium de spectacle. Donc là, après tout ce qui est. Là vous voyez le grand barnum là. Hop. Donc là ici, tous les soirs ça sera fermé ici. Puis en fait là-haut, là, dans le rond-point, il y a un bar. Je ne me rappelle même plus le nom du bar d'ailleurs. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, sans faire de la pub. Il s'appelle. Bah, il a changé de nom en plus. Il s'appelle. J'aime même pas lire. Enfin bref. Donc du coup, il y aura un point de vente là, avec de la musique et tout. Donc du coup, toute la partie rond-point que vous venez de voir, ça sera fermé. Le soir surtout. Pour le soir, ça sera fermé. En journée, on pourra plus ou moins circuler, mais le soir, ça sera fermé. L'affaire Carolus. Voilà nos emplacements réservés au taxi, avec marqué « sauf personne autorisée ». Mais autorisé qui? Bon, on ne sait pas trop. C'est un peu la merde. Bon les gamins, c'est fait. Bon, il y en a un, je l'ai un petit peu disputé. Le gamin, avant de monter de la voiture, il met les doigts dans les charnières. Voilà, et dans les charnières, qu'est-ce qu'il y a dans les charnières? Il y a de la graisse. Et comme il avait de la graisse sur les doigts, qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est étalé sur le siège. J'étais obligé. Je lui ai dit, je vais te faire laver la voiture. La prochaine fois que tu me fais ça, tu mets le doigt dans la bouche direct. Je comprends pas là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, j'avais le doigt sale. Bah oui, mais t'aurais pas mis le doigt là. Bah oui, mais j'ai mis le doigt là. Bah ouais. Et les vacances, on va se poser, ça va bien se passer pour la suite. Oh, moi ça me tue, moi ça. Mes propres enfants ne le font même pas, ça. Ça s'appelle de l'éducation. Mais bon, si on les emmène, c'est que voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller chercher mes filles. Avoir une petite séquence avec elle, puis qu'elle me l'ont dit. Ce soir, on fait la vidéo. D'accord. Donc, il y aura une petite séquence avec elle après. Allez, repos. Tu vas oui. Grâcher ta pizza. Ouais. Avec super bol. Ouais. Même si je suis pas encore dessus, tu roules encore. Tu crois vraiment que je vais manger ta pizza?
tu veux manger ce soir nos pizzas? De quoi je vais manger ce soir ta pizza? Mais non. Quoi, ta pizza? Ouais, c'est non. Ouais. Tu crois que c'est une vraie pizza que t'as fait? Non, c'est une fausse. C'est une fraîche, je te dis. Je jure que c'est une fausse. Je jure, la vie de ma mère, c'est une fausse. Non. Oh, c'est nul, hein? Arrête de dire ce que je dis. Oui, c'est toi. On se calme un petit peu. C'est toi. Alban. C'est l'heure du goûter, donc on va faire le goûter. Ouais, bah, vous n'allez pas faire le goûter. Si vous continuez comme ça, vous ne ferez pas le goûter. Oh. C'est la première fois que tu nous emmènes à l'accueil. Ouais. Mais quand on avait amené notre vélo. Ah oui, les vélos l'année dernière, ouais. Ouais. Et là, cette année, il faut que je ramène aussi les vélos. Enfin, faut que je ramène. Non. Non. Il n'y a pas besoin cette année. C'est juste que je m'en souviens plus. Je t'en souviens plus. Monsieur. Bah, tu dis ça alors que pour, quand t'es parti en vacances, t'as pas mis une seule fois tes lunettes de soleil. Mmh. Vrai ou pas? Mais c'est vrai. Bon bah alors viens pas me dire. Ah, mais ce soleil-là, il est beaucoup plus petit. Le soleil, il est beaucoup plus foncé là? Ouais. Ah bon? Parce que là où Alban était en vacances, le soleil était beaucoup plus clair. Ouais. Mais non, là-bas c'était encore plus foncé. Ah bon? C'était... Pourquoi il y a combien de soleil? Bah... 80. Il y en a même pas 80. Il y en a combien de soleil? Il y en a 3008. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la vidéo? Repos. Bon voilà. Terminé pour la semaine. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine. Alors, à l'heure où je vous enregistre la séquence, je ne sais pas si vous aurez la journée de vendredi en tant que big perso ou pas. Donc voilà, ça sera la surprise, hein, je verrai bien. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ça sera un peu particulier comme une vidéo parce que je n'ai quasiment pas de médical. Je vais avoir que mon client pour sa séance, pour ses séances de kiné et sa séance d'orthophoniste. J'ai une cliente pour sa séance d'orthophoniste, de kiné, je vais y arriver. Et ensuite, je fais quelques petits dépannages. Normalement, je ne voulais dépanner personne parce que je veux vraiment me consacrer que pour le printemps de Bourges. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer, les horaires, toutes ces choses-là. Donc du coup, je ne voulais pas dépanner, mais je dépanne seulement la personne qui me dépanne beaucoup. Pas que les autres prennent mal, c'est que donc voilà, je fais du médical, je peux plus faire le printemps de Bourges, enfin, voilà. Donc voilà, passez un très bon week-end, faites attention à vous sur les routes, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.